Salut à tous, c'est Itachi, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode du Let's Play de Zelda The Wind Waker. Eh ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode dans ce Let's Play, pour ceux qui suivent en tout cas en temps réel on va dire. Et donc l'envie, le temps, etc. Enfin bref, je vais pas revenir dessus à chaque fois, mais bon, il y a des moments où on n'a pas forcément le temps, parfois on n'a pas forcément l'envie, parfois le temps d'avoir l'envie, etc. Enfin bref, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Toujours est-il que là, bah c'est bon, je vais refaire une petite salve d'épisodes, donc voilà, au moins comme ça, j'aurai de quoi satisfaire les gens, et puis bon, notamment une petite surprise par la suite dans le Let's Play, mais bon, j'en dis pas plus. Donc on va se resituer un petit peu, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué, hein. Donc on était ressorti de la forteresse maudite et on a sauvé notre petite sœur Ariel, qui donc est a priori en sécurité sur l'île de l'Aurore. Enfin, d'après ce que Tetra nous a dit en tout cas, elle nous a pas menti. Et donc ensuite, Kepa, ça, comment ça se fait que Tetra est avec nous? Je me souviens même plus. Qu'est-ce que tu attends? Amène-moi vite jusqu'à cette voie. Alors en fait, ouais, voilà, parce que on était au pied de la tour des dieux. Voilà, j'essaie de me souvenir, franchement. On était au pied de la tour des dieux et en fait, il y a une voix qui a appelé Link et Tetra pour leur dire de venir sous les flots. Donc je rappelle qu'on est dans le royaume d'Hyrule. Et donc en fait, voilà, donc on doit rentrer à l'intérieur et retourner à l'endroit où on a récupéré Excalibur. Notamment pour une révélation palpitante. Allez, vas-y, petit Link, tu peux le faire. Alors, la dernière fois, on m'a dit qu'on pouvait avoir un son bizarre quand on est en dessous des cascades. Je sais pas si on s'est foutu de ma gueule, peut-être. Ou si peut-être y a rien du tout. Quand il est poussé, il fait un petit cri. Bon. Je sais pas si c'était ce son là, mais bon. Allez, bon, on y va. J'arrête de faire le bébête là, franchement. Surtout que c'est pas mon genre. Et voilà, donc on se retrouve ici. C'est toujours aussi défoncé, aussi vide, aussi inintéressant, on peut presque dire. Mis à part les petites choses qui sont sur les côtés. Ah, d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il y a les couleurs qui sont revenues sur les tableaux. Je vous en dis pas plus. On est parti. C'est par ici. Hop. Ah d'accord, on arrive directement ici. Waouh, c'est qui ce gros porc? C'était toi qui utilisais mon amulette comme ça? Cette amulette est la pierre d'Apotin, qui se transmet dans la famille royale d'Hyrule depuis des générations. En la frottant, je peux l'utiliser. Ah oui, frotte. Tu peux utiliser la pierre à potin de la famille royale? Non mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Peut-être avez-vous entendu parler de cette histoire. Celle du héros de la légende et du royaume dans lequel reposaient les pouvoirs divins. Eh bien vous êtes dans ce royaume. Le royaume d'Hyrule. Bon, c'est vrai que je l'ai un petit peu spoilé, je suis désolé. C'est vrai que quand on connaît les Zelda quand même, quand on est dans une grande plaine avec un château au milieu, on sait qu'on est dans la plaine d'Hyrule. Hein. Et j'en suis le roi. Je m'appelle Daphne Noansen Hyrule. Franchement, c'est pas un nom super classe ça, Daphne Noansen Hyrule. Link, tu ne reconnais donc pas ma voix? C'est bien ça, je suis le lion rouge. C'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici. Eh ouais, grosse révélation et attendez, c'est pas fini. Alors si tu avais réussi à vaincre Ganon grâce à Excalibur, je ne t'aurais sans doute pas révélé mon identité. Mais cela n'a pas d'importance. Écoutez-moi bien tous les deux. Jadis, Ganon voulut dérober les pouvoirs divins pour plonger le royaume d'Hyrule dans les ténèbres. Je ne réussis pas avec mes seules forces à l'en empêcher. Mon ultime recours fut de prier et je remis le sort de mon royaume entre les mains divines. Les dieux entendirent mes prières et scellèrent Ganon et leur royaume d'Hyrule. Ce fut alors le déluge et les pluies torrentielles firent sombrer mon royaume au fond des mers. Mais comme tout le peuple d'Hyrule devait être scellé avec leur royaume, le pays faillit disparaître.
Avant de sceller le pays et son peuple, les dieux choisirent quelques habitants du royaume pour en constituer un autre. Et ils permirent à ces élus de fuir vers les hauteurs. Dans vos veines, à tous les deux, coule le sang de ces élus. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis que nos ancêtres ont fui Hyrule. Si Ganon n'était pas revenu, le royaume ne serait pas sorti de son sommeil éternel. Viens par ici, Tetra. Donc bon, vous voyez, en gros, tous ceux qui vivent à la surface, c'est des anciens habitants d'Hyrule. Et on en apprendra un peu plus, notamment dans les vidéos qui suivent, vous allez voir. Alors, le collier que tu portes est un joyau divin qui se transmet dans ta famille depuis les temps anciens. On l'appelle la Triforce de la Sagesse. Voilà, donc en fait, le collier qu'elle a, c'est un petit morceau de la Triforce. Alors, c'est ta mère qui te l'a transmis et qui t'a dit d'en prendre toujours le plus grand soin. C'est bien ça. La musique, elle est énorme, quand même. Alors, la Triforce est la force divine dont nous avons empêché Ganon de s'emparer. Il faut que je dise jusqu'au bout, sinon c'est vrai que ça va rien. Elle fut confiée par les dieux à tes ancêtres qui reçurent pour mission de toujours la protéger des forces maléfiques. Tu dois donc te conformer à la règle ancienne et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, bon, je disais rien pendant la petite scène, j'étais en train d'apprécier, j'espère que vous avez apprécié aussi. Et donc on voit que Tetra s'est plus ou moins transformée. Tu es la descendante légitime de la famille royale d'Hyrule. Donc effectivement, tu es la princesse Zelda. Ils auraient pu le mettre en rouge quand même, princesse Zelda. C'est important de le retenir. Zelda, je suis une princesse. J'imagine ta surprise, elle était prévisible. Link, pardon de t'avoir impliqué dans tout ceci. Mais dès que Ganon saura où se trouve la princesse Zelda, il fera tout pour la capturer et mettre ainsi la main sur la force divine. Si Ganon parvient à dérober la Triforce, ce n'est plus seulement le royaume d'Hyrule, mais aussi le monde dans lequel vous vivez, qui seront plongés dans les ténèbres. Bon, regardez ce regard déterminé. Link, je vais mettre mes forces à ta disposition. Je crois savoir pourquoi Excalibur a perdu tous ses pouvoirs. Retournons ensemble vers le monde au-dessus des flots pour rendre à Excalibur le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Quant à toi, Zelda, il serait trop dangereux que tu viennes avec nous. Heureusement, Ganon n'a pas encore découvert cet endroit. Reste ici et attends notre retour. Allez Link, allons-y. Oh, il se la joue à la Sangoku, téléportation. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit ses yeux, ils restent à la fin. Ses yeux sont les derniers trucs à disparaître. Voilà, donc on va retourner au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Zelda? Maintenant, on va l'appeler Zelda, c'est fini, Tetra. Je ne sais comment dire. En fait, c'est vraiment à cause de moi que toi et Ariel avez eu tant de problèmes. C'est vrai. Pardonne-moi. Haha, y'a pas de soucis. T'inquiète, sinon le jeu serait pas aussi palpitant. Allez Link, fais bien attention à toi. Et voilà, donc c'est la princesse quand même, c'est grosse révélation.
Alors bon, moi à l'époque, à la sortie de ce jeu, je cache pas que je connaissais pas encore la série des Zelda et du coup bah je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais c'est vrai que pour les fans de Zelda en tout cas ça pouvait être une belle révélation, même si c'est vrai que c'était peut-être un peu téléphoné comme diraient les commentateurs de foot. Donc du coup bah, je peux vous montrer ça un peu plus en détail. Donc vous voyez là. Alors je sais pas si. Enfin. Je suppose que c'est voilà l'ancêtre justement de Tetra qui est entouré de ses comment dire de ses sbires en quelque sorte hein, de ses valets. Et donc en fait on peut reconnaître assez facilement quand même bah, la gueule des pirates en fait hein, on les reconnaît un petit peu, on voit le mec par exemple habillé en rouge, c'est Nico je crois, c'est le mec qui nous fait passer des épreuves de temps en temps etc, enfin bref. Donc voilà, en gros il y a Tetra qui est Zelda, et puis bah, on voit bien aussi que apparemment les descendants des valets sont les pirates. Allez, donc on va repartir là-haut. Enfin, je suppose que le bateau doit être ici. The Red Lion. Link, écoute-moi bien. Si Excalibur a perdu le pouvoir de repousser les forces maléfiques, c'est qu'il est arrivé quelque chose au sage qui lui avait confié ce pouvoir. Oh, ça donne la gerbe là, cette caméra qui bouge. L'un des sages doit prier les dieux au nord d'Hyrule dans le temple du vent. Le deuxième doit les prier au sud d'Hyrule dans le temple de la terre. Va dans ces deux temples pour voir ce qui est arrivé au sage et rendre à Excalibur tous ses pouvoirs. Malheureusement, à cause de Ganon, le chemin qui relie les royaumes d'Hyrule à ces deux temples est coupé. Mais les entrées des temples qui étaient en haut de la montagne existent encore. Elle se trouve aujourd'hui sur des îles au-dessus des flots. J'ai comme d'habitude indiqué l'emplacement de ces entrées sur ta carte. Si nous restons là trop longtemps, nos ennemis vont deviner que la princesse Zelda est ici. Remontons vite au-dessus des flots. Donc vous voyez, c'est quand même assez marrant. C'est qu'en réalité, enfin peut-être pas toutes les îles, mais certaines îles comme les deux îles dont on vient de me parler là, sont en réalité le sommet de montagnes qui sont dans le royaume d'Hyrule. Donc c'est quand même assez délire. Alors, encore des choses à me dire. Alors Link, connais-tu la légende du héros du temps? Le héros du temps qui vainquit Ganon et ramena la paix dans le royaume d'Hyrule possédait une triforce comme celle de la princesse Zelda. Cette triforce s'appelait la triforce du courage. On dit que lorsque le héros quitta Hyrule pour voyager dans le temps, la pierre du courage vola en éclats et que ses 8 fragments se dispersèrent à tout jamais. Je ne sais pas moi-même où se trouvent ces fragments, mais ils doivent être dispersés au fond de la mer. La triforce du courage est la clé qui permettra d'ouvrir le royaume d'Hyrule à nouveau. Alors du coup, ceux qui connaissent le jeu bah, se rappellent un petit peu de ce passage où il va falloir aller chercher les différents fragments de la Triforce, qui est peut-être un des passages les plus chiants du jeu. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, on va regarder notre carte. Voilà. Donc on a l'île ici qui est le Temple du Vent. L'accès au sommet du Temple du Vent et ici le Temple de la Terre. Donc, avant d'y aller, parce qu'il va pas falloir y aller tout de suite, en réalité, attendez, bah, ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, on va y aller, si par exemple, j'ai la possibilité d'y aller directement. Si j'ai pas la possibilité d'y aller directement... Ouais, bon voilà, vous voyez, je peux pas vraiment... Ah si, attendez, on va y aller. On va y aller comme ça, donc là, je vais pas faire d'accélération. Hein. Attendez, j'essaie. Voilà. On va aller ici. On va y aller en mer. Je crois que je vais pas vraiment faire d'accélération. Hein. Je vais juste... on va juste y aller comme ça. Voilà, vous voyez, donc c'est l'île qui est juste en face, mais en réalité il y a quelque chose d'intéressant entre deux. Je sais plus trop exactement où c'est. Normalement on va voir des mouettes qui vont voler au-dessus de l'endroit dont je vous parle. En réalité c'est un calamar. Alors j'en avais déjà parlé dans,
dans les vidéos précédentes, en fait il y a des calamars, des grands calamars qui se baladent au milieu des mers, au milieu de l'océan quoi, et en fait ces calamars parfois cachent des choses, parfois des trésors. Là je vois rien, je vois pas de mouette à l'horizon. Parfois cache des trésors, et notamment il y en a un, et je crois que c'est celui qui est dans les environs, qui cache en fait une fée qui nous aidera à obtenir, enfin doubler en fait notre jauge de magie. Voilà, il y a le trois sky, voilà, comme ça ici ce sera révélé. Bon, je vais pas lire ce qu'il nous raconte, c'est un petit peu... C'est des petits détails, enfin des petits indices en fait, je ne sais pas, mais bon. Ouais, donc ici c'est normalement l'île de la Terre. L'île de la Terre. Tout simplement. Voilà, donc en fait, bah, c'est ce qu'il est en train de nous raconter. Il y a un lourd rocher, c'est ici. Bah, c'est possible que ce soit ici, il y a un lourd rocher. Allez, donc, on va aller faire un tour là-bas. Et je vais d'ailleurs vous montrer l'utilisation des pouvoirs, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est ici qu'il y a un lourd rocher. De l'autre côté, c'est pas un lourd rocher, il y a une bourrasque devant. Voilà, donc ça, c'est des petits cailloux qu'on peut ramasser. Et ça, eh ben, en réalité, c'est un gros caillou qu'on peut pas... voilà, qu'on peut pas porter pour l'instant. Alors tu n'as pas la force ni de soulever ni de briser ce rocher pour le moment. Mais un objet qui te donne cette force doit pouvoir se trouver quelque part. Pars à sa recherche. Alors vous voyez, c'est ça qui est assez marrant. Alors peut-être qu'il peut parfois dérouter certaines personnes. Mais que moi j'ai trouvé vraiment kiffant à l'époque. Quand on connaît pas le jeu, ce qui est génial c'est que là on est un petit peu largué. Mais justement ça nous donne un petit peu... Enfin si on a cette curiosité, enfin si on a de la curiosité... On va aller chercher un petit peu partout et on va nous donner des indices. Alors bon, bien évidemment moi je sais déjà ce qu'il faut faire puisque je connais bien le jeu, donc je vais pas chercher ces indices en question. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt bien de nous laisser... Waouh. Ah ouais c'est vrai, il y a un bateau dans les environs, alors attendez. Je vais aller me foutre dans un coin. Ouais, ici c'est bien peut-être. Alors j'espère qu'il arrivera pas à me toucher. Parce qu'en fait il est derrière là-bas. Allez, on fout une poire ici, regardez, et voilà, là, on dirige le, comment dire, le goéland, enfin la mouette, ou je ne sais quoi, c'est un goéland, je pense. Mais notamment, il y a un truc important au sommet, c'est un fragment de cœur. Alors, je crois que c'est le, enfin, c'est peut-être pas le seul, mais il doit y avoir peut-être un ou deux fragments comme ça qui sont cachés. Ah, bien joué, Itachi, montre-nous ton skill, là. Même avec un goéland, j'arrive même pas à ramasser ça. Allez. C'est où? Ah non, c'est là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Hop, bon, après, vous voyez, on peut aller chercher des trucs qui sont un petit peu cachés, notamment des rubis, des trucs comme ça. Voilà, je vais pas perdre mon temps à ramasser tout ça. Et pour faire le retour, on appuie simplement sur la cachette R. Et là, j'ai mon fragment. Alors, vous obtenez un quart de cœur, blablabla. Donc, ça doit être mon premier, je suppose. Je vais vérifier vite fait. Voilà, c'est mon premier quart de cœur pour l'instant. Alors, on va remonter sur le bateau. Je vais essayer d'aller voir sur le côté, là, si je peux trouver ce fameux, comment il s'appelle? Ce fameux calamar. Voilà. Bon. Je crois qu'en fait, il est sur l'île qui est à côté. Enfin, aux alentours de l'île qui est à côté. Mais en tout cas, quand on le croise... une mare de mouettes qui flottent juste dessus en fait. Ah regardez, attendez, voilà là-bas on les voit, on commence à les voir, c'est juste en face. Alors je vais prendre mes bombes, on peut y aller aussi éventuellement au boomerang ou éventuellement à l'arc, mais bon c'est un peu plus difficile, vous allez voir. Bon j'espère que je vais pas me failler. Voilà. Elle sort d'ici. Parce que l'avantage des bombes, c'est que ça éclate directement ses yeux en fait.
Là j'avais 90 encore. Alors je sais pas si je vais péter tous ses yeux. Si ça y est, c'est bon. Non, il est pas mort encore. Bon, j'ai dû en oublier de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Ah bordel! Calamar à d'autres endroits qui nous lâchent des choses assez importantes, des espèces de cartes. Qu'est-ce qu'on se marre? Alors jeune homme, qui sait contrôler le vent? Grâce à toi, je suis enfin délivré de ce monstre. Pour te remercier, je tiens à partager avec toi un peu de mes pouvoirs magiques. Là, franchement, ça fait plaisir. Regardez, ça c'est assez marrant parce que je crois que c'est la seule animation différente qu'on voit lorsqu'il obtient quelque chose. Alors votre énergie magique a augmenté, elle est deux fois supérieure à celle que vous avez jusqu'à présent. Alors, dans un lieu contrôlé par le dieu du vent, se trouve quelqu'un qui pourra donner à ton arc une force nouvelle. Cette force nouvelle permettra à ton arc d'éteindre les flammes et de faire fondre la glace. Si tu as besoin de cette force nouvelle, utilise le pouvoir du dieu du vent. Je prie pour qu'un vent favorable souffle toujours sur ta route. Donc bah en fait, je m'y attendais pas, j'avoue. Mais en réalité, là, elle nous a donné justement un indice crucial pour l'avancée de l'aventure. En fait, on va devoir aller sur des îles. Voilà, j'ai réussi la mélodie. En fait, on va devoir aller sur des îles qui sont un peu spéciales. Alors, je sais pas si on peut aller y faire un tour vite fait. Parce que je sais plus trop où c'est. Attendez, on va aller ici. Juste pour vous montrer une île, comme ça. On verra à peu près de quoi je parle. Ceux qui connaissent déjà le jeu, ils savent de quoi je parle. Mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas le jeu. Enfin, il y a certainement des gens qui connaissent pas le jeu. On va confirmer dans les commentaires. D'ailleurs, il y a une île des fées ici. Je sais pas si j'y suis déjà allé. Ah oui, bien. J'essaie d'y aller. Je vais peut-être pas y aller avant. Je pourrais peut-être pas y aller d'ailleurs. Si, c'est ouvert. Ouais, j'ai l'impression que c'est ouvert. Bon, donc voilà, on va pas se saouler ici. Bon, par contre, là, cette fois-ci, je vais accélérer, ça ira très très vite. C'est pour aller juste à l'île d'en face. Allez, c'est parti. Voici arrivé sur cette fameuse île, enfin aux alentours de cette fameuse île. Donc vous voyez qu'elle est complètement gelée. Et en fait il faut pas y aller, faut pas aborder, on va dire, sur cette île, parce que sinon on finit en glaçon et donc bien évidemment on crève. Et donc bah, pour cela il va nous falloir en fait des flèches de feu pour en fait pouvoir réduire, on va dire, enfin augmenter pardon, la température de l'île. Et pouvoir y aller pendant quelques temps, pendant quelques minutes, et aller chercher notamment un trésor important pour la progression de l'aventure, notamment en fait, pour vous spoiler directement, mais bon, c'est en rapport avec l'accès aux îles de la Terre et l'île du Vent. En fait, donc il y a une île, donc l'île de la Terre, sur laquelle il va falloir porter cette grosse tête que vous avez vue, donc il va nous falloir des bracelets de force. Et ensuite il y a l'île du vent en fait, où justement il y a une espèce de grosse bourrasque qui nous empêche d'avancer. Et donc pour cela il va nous falloir les bottes de plomb. Et donc voilà, donc c'est en fait le bracelet de force et les bottes de plomb qui sont cachées dans ces îles. Donc pour cela, on va aller. Voilà, je suis trompé. On va devoir aller dans en fait une île des fées. Qui se situe tout au nord-ouest. Voilà, donc c'est la première ici, je crois que ça s'appelle l'île Gemini.
Alors là, on voit pas afficher, mais normalement c'est l'île Jimmy. Et vous allez voir qu'on va pas atterrir dans l'océan, mais on va atterrir au cœur. Je sais plus si je l'ai montré déjà, peut-être dans une vidéo précédente. Je vais peut-être montrer juste pour. Bah pour le montrer. Voilà, donc on a atterri en fait au cœur de l'île. Et normalement, on va rencontrer. Voilà, c'est bon. C'est enclenché. Et donc elle, c'est la reine des fées. Avec musique personnalisée, s'il vous plaît. Eh bien, jeune homme, tu sais donc contrôler le vent. Tu m'as donc trouvé. Non, ça fait nuit. Alors, je suis la reine des fées. Eh bien, tu n'as pas l'air étonné, jeune homme. Tu me plais bien, tu sais. Je vais donc rendre tes flèches un peu plus efficaces. Donc voilà, t'as de moulage des petites fées. Avec une traînée rouge et bleue. Qui correspondent bien évidemment aux deux éléments de la glace et du feu. Et voilà, le pouvoir est en moi. Vos flèches peuvent dorénavant être de glace ou de feu. Après avoir visé, appuyez sur R pour choisir le type de flèche. Alors, par contre, ce système il est un petit peu à chier, je trouve. Notamment quand on aura le troisième type de flèche, mais je n'en dis pas plus. Les flèches de glace te permettront d'éteindre les flammes, quant aux flèches de feu, elles te permettront de faire fondre la glace. Sans deck. Et les fées de cette source soigneront tes blessures, n'hésite pas à recourir à leurs soins. Jeune homme, résolument, tu me plais. Allez, beau gosse. Et voilà, donc c'est une scène assez rapide, hein, une fée plus ou moins comme les autres, qui nous a donné un nouveau pouvoir. Alors donc là, ben, on se retrouve avec les flèches. Bon, très vite fait, hop, voilà, donc on vise, on a une petite icône, lorsqu'on appuie sur le R, ça change. Avec les flammes, on voit plus rien, et avec la glace, on voit plus rien non plus, donc ça c'est vrai que c'est... Ils sont quand même dingues de nous avoir fait un truc comme ça, où on voit vraiment plus rien. Voilà, donc ça... La glace, vous voyez que ça consomme de la magie. Hop, et les flammes de feu. Les flèches de feu, pardon. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est qu'on va faire? L'île de la phase 4. Je crois qu'il y a une île des fées dans les environs. Ce serait bien peut-être d'y aller parce que ça va me donner des flèches. Alors là, de toute façon, dans cette vidéo, j'aurai pas le temps d'aller. J'aurais pas le temps d'aller sur les îles en question là, les îles gelées et l'île de feu. Donc on va aller faire un petit truc annexe, hein, simplement aller sur l'île des fées, je crois qu'il y en a une là-bas. C'est une île, si je dis pas de bêtises, sur laquelle il fallait un marteau pour pouvoir activer un interrupteur. Voilà, donc là il va falloir que je change la direction du vent. Et par la même occasion, de toute façon, je vais accélérer. Voilà. Je vais accélérer tout ça. Et on se retrouve donc sur l'île, la fameuse île des fées dont je vous parlais il y a 2 secondes. A tout de suite. Thank you.
Et donc voilà, on est arrivé sur l'île. Alors attendez, j'y arrive tant bien que mal. Voilà, parce que là, le vent n'est pas dans la bonne direction. Visiblement, j'ai du courrier aussi. Donc sur cette fameuse île dont je vous parlais, il va nous falloir taper sur l'interrupteur. Alors attendez, où est-ce que j'étais en train de chercher? Prendre ça. C'est pour le blob qui va apparaître après. Alors attendez, on va aller lire le courrier, voir ce qu'on a. Alors, deux courriers. Alors, le premier. Quoi, 201 rubis? D'accord. J'ai lâché ça, 201 rubis pour... Alors, cher lutin, merci beaucoup pour ta rétribution. Je t'envoie avec ce courrier la super carte. Elle indique où se trouvent les cartes de la Triforce. Sans deck. Grâce à elle, j'espère que tu mettras la main sur ces cartes dont je suis fou. Lutin, désolé, je n'ai pas réussi à localiser précisément la dernière carte. J'ai l'impression qu'elle change de place toutes les nuits. J'espère que tu m'en voudras pas trop. À propos, la carte de Tingle montre aussi où se trouvent les grandes fées. Ah ouais, c'est vrai. Mais je viens de penser à un truc. Je suis quand même extraordinaire. Hein. C'est que j'ai encore jamais montré les cartes en fait dans le jeu. J'ai fait l'aventure et j'ai même pas montré le système des cartes, etc. Alors, comment vas-tu, grand frère? Je t'écris cette lettre depuis le bateau des pirates. Au début, j'avais un peu peur, mais en fait, tout le monde est gentil avec moi. Gonzo a l'air fort comme tout, mais depuis que Tetra n'est plus là, il pleure tout le temps. Nagi est efféminé et gentil. La barbe de Sénèque me fait peur, mais ses histoires sont très intéressantes. Zuko est un peu mou. Moko a l'air très sage, mais il se met très en colère quand on lui prend ses lunettes. Je joue tout le temps avec Nico. Moi, je suis triste parce que tu n'es pas là. Pour le cas où tu en aies besoin, j'ai rassemblé les économies de tout le monde et je te les envoie. Surtout, utilise cet argent. Je te prête encore la longue vue un moment. Je fais de mon mieux pour me montrer forte. Sois là, toi aussi. Sois-le, toi aussi, grand frère. Ariel. C'est mignon. Voilà, bon, bah, c'est les économies des pirates. Seulement 20 rubis. J'aurais pu faire un petit effort. Je vais te claquer 200 boules là. Voilà. Hop, je me suis le fameux bloc. Le. Bon, juste pour prendre la jouée, je suis. Donc, bah. Ouais, sur la fin de cette vidéo, je vais vous montrer justement les cartes. Parce que, effectivement, je suis sacrément mal poli. J'ai pas montré du tout les cartes. On va aller regarder un petit peu. Parce que là, de toute façon, encore une fois, dans cette vidéo, on n'aura pas le temps d'aller sur les îles gelées, les îles de feu. Vous voyez que j'aurais pas fait grand-chose, finalement, dans cette vidéo. C'était un petit peu long. Mais bon, c'est des choses tout de même importantes. Et il y a eu de la révélation incroyable en début de vidéo. Donc, si je dis pas de bêtises, elle va nous donner des flèches, à moins que ce soit la bourse. C'est les flèches, donc là je dois en avoir 60. Voilà. Donc c'est fait pour cette fée. Après, justement, on va regarder, comme je vous ai dit, les cartes. Hein, histoire de voir à peu près ce qui m'a été donné. Alors, je vais faire une petite save rapidos. Voilà, donc en fait pour accéder aux flèches, aux cartes, c'est tout simplement flèche du haut. Et ensuite on appuie sur le Y. Voilà. J'ai 7 cartes visiblement. Ah bordel, je me suis gouré. Faut tuer le stick. Voilà, elles sont toutes pliées. Donc ça c'est carte au trésor en bleu que j'ai ramassé dans les donjons principalement. Qu'on révèle comme ça. Donc vous voyez là par exemple ça nous montre que il y a eu un trésor. Au milieu visiblement d'une île de face. Galère là sur cette fin de vidéo. Ça c'est l'île du croissant de lune si je dis pas de bêtises. Ça je sais plus trop comment elle s'appelle cette île là, mais je vois à peu près laquelle. L'île de la patte de chat ou du pas de chat, quelque chose comme ça. Alors ça c'est justement une des îles triangulaires sur lesquelles on a mis les perles. Alors ça doit être l'île du dragon je crois. Et donc ensuite voilà, ça c'est les cartes spéciales. Alors il y a une carte verte. Je
sais plus trop quelle est la particularité des cartes vertes et ensuite les cartes rouges. Alors voilà, ça c'est la carte de Terry, donc qui nous montre en fait les l'emplacement des magasins de Terry. Alors toutes les têtes de Terry qui sont, on va dire, normales, ce sont les magasins normaux a priori. Donc ils vendent généralement des bombes, de la bouffe, des trucs comme ça. Et ensuite il y a, vous voyez, un Terry avec une espèce de casque. Et celui-là, c'est celui qui vend donc le fragment de cœur, le flacon et une carte au trésor. Et ça coûte relativement cher, donc bien évidemment, comme là, je n'ai pas un rond, ça va être chaud. Alors ensuite, il y a la carte de Tingle. Donc là, c'est juste pour nous montrer l'emplacement de chez Tingle. C'est en plein milieu, là, avec l'espèce de soleil. On voit Mercantile aussi, et on voit deux emplacements de fées. Donc il y en a une au nord et une tout au sud. Alors celle tout au sud, c'est sur l'île de l'Aurore. C'est celle qui nous a donné la bourse de 1000 rubis. Donc on l'a déjà fait. Et pourquoi pas ne aller faire celle qui est tout en haut. Ça tombe, c'est celle qui donne justement la... J'ai été surpris franchement par le son. Trop fort. On va aller faire juste après celle tout au nord. Et donc là on a en fait les cartes de la Triforce, donc qui nous permettront d'aller pêcher les différents morceaux de la Triforce. Donc vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et notamment, il y en a deux plus ou moins spéciales. Donc celle qui est tout à gauche, qui est en fait dans une espèce de petit bateau là, qui nous tire des canons doré. En fait, il est doré. Donc il faudra le tuer et ensuite ramasser la carte qui sera tout au fond de l'océan, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, vous voyez tout à droite qu'il y en a une qui est dans un bateau fantôme. Donc en fait, c'est ça. Il était en train de nous dire qu'il y avait une carte qui changeait d'emplacement toutes les nuits. Donc c'est le bateau fantôme en fait qui change d'emplacement toutes les nuits. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc voilà pour les cartes. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui serait bien, ce serait d'aller sur l'île qui est au nord de chez Tingle. Alors attendez, je vais revoir tout ça. En fait, je le fais juste pour le son. Voilà, donc c'est juste... C'est juste au nord, ici, là. Donc, en fait, je vais aller à Mercantile et je vais aller ici. Où est-ce qu'il est, mon bateau? Le bateau! Il est ici. Tchac. Bon, du coup, je vais accélérer à partir de maintenant. Hein, et on se retrouve donc sur l'île des fées. A tout de suite. Et voilà, donc on arrive de bon matin sur cette île des fées. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est une des rares îles des fées en fait sur laquelle... Tu me tires, mec ? C'est une des rares îles des fées en fait où il n'y a pas du tout de... Voilà, il n'y a rien qui bloque l'entrée. Donc on peut y rentrer, si on peut dire, dès le début du jeu, puisqu'on peut pas vraiment aller où on veut au début du jeu, mais on peut y rentrer assez vite, sans item. Oh, qui croirait que... Alors, je sais pas ce qu'il regarde. À mon avis, il est en train de regarder, vous voyez, les bateaux qu'il y a là-bas. En fait, ça, c'est un sous-marin, ce qu'on voit en face, là.
Et dans les sous-marins, il peut y avoir des 2-3 trucs intéressants, notamment je crois qu'il y a au moins un flacon à récupérer dedans, et puis probablement des cartes au trésor et compagnie, Allez. On va foncer là-dedans, je sais pas encore une fois ce qu'elle va nous donner. J'ai metté des suppositions sur le fait que ce soit la bourse. Mais j'en suis pas sûr. Alors je pensais ouais, que c'était, enfin je pense que c'est la bourse, parce que c'est les deux faits que Tingen nous a montré. Et vous allez voir que c'est très très important d'avoir une grosse bourse pour... Ah ouais, donc c'est effectivement ça. Ça augmente le nombre de rubis, donc maintenant je peux aller jusqu'à 5000. C'est plutôt pas mal. Donc ça fait quand même un sacré paquet. Encore une fois, je sais même pas si dans un ancien Zelda, il y a eu une bourse aussi grosse. En tout cas, de tête comme ça, j'en vois aucun. Dans les très anciens, ça pouvait être 255. Après, il pouvait y avoir 999. Mais 5000 carrément, ça fait quand même beaucoup. Mais je me souviens plus combien on pouvait en avoir dans Zelda Ocarina of Time, par exemple. Et donc voilà, donc on a la bourse à fond. Et comme je vous ai dit, ça va être très important. Parce qu'en fait, bah, pour tout vous dire, en fait, Tingle, c'est lui qui va déchiffrer en fait les cartes de la Triforce. Sauf que le délire, c'est qu'il va nous demander de l'argent. Alors c'est 300, je crois c'est 350 rubis qui nous demandent quelque chose comme ça. Donc vous imaginez bien que pour 8 cartes, ça fait quand même beaucoup à lâcher. Donc il va falloir forcément que je farme des rubis, parce que là, de toute façon, j'ai rien du tout. Donc c'est quand même un truc de dingue. Donc, bah, je sais même pas pourquoi je suis monté dans le bateau, ça sert à rien. Là, je vais mettre fin à la vidéo. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est justement bah, aller sur les fameuses îles gelées et les îles de feu pour aller chercher donc les bottes de plomb et les bracelets de force pour pouvoir accéder donc aux îles. Mais vous allez voir que ce sera pas, enfin on va pas pouvoir accéder directement au donjon de ces îles, oui, parce qu'il y aura deux donjons dans ces îles. Mais bon, on verra ça dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus pour la suite.